Y'a pas fort. Attends, y'a logarithme payé ici. Y'a encore vas-y. Aïe. Eh, tomato. Y'a le tomato. Y'a longtemps, hein. Quoi? Attends. Enlève, t'as dit, hein. Il a engrossé et puis il a encore manqué de respect à son papa. Pardon, comment va la vidéo? Je veux que tu sois face à moi, t'as compris ou pas? Je veux que tu sois face à moi, t'entends ou pas? Écoute, il doit pas s'exciter comme ça, il va taper une crise. Hein. Donc déjà quoi. Mais tu sais, Tomato, actuellement je suis un peu occupé. Hein. Toi-même, tu as vu les résultats du bac, quoi. On a fait moins de 30%. Donc je suis en train de procéder déjà quoi, t'as vu non? Parce que je dois être premier temps, hein, tu sais. Donc je vais appeler tonton Abel. Tonton Abel, tu dois déjà sur le dossier. C'est pas tonton Abel ça? Hey, tonton, c'est maintenant toi tu fais ton indépendance quoi. Le truc est passé depuis le 1er août. Et puis c'est maintenant toi tu... Aïe. Non. C'est... Oui, allô, Tomato. Faut envoyer. Maman, je vais déjà sur le dossier. Ouais, il est occupé. Tu vas appeler ta copine et tu vas lui dire que tu la quittes. Allô? Allô? Ouais, faut que je te parle vraiment. Moi aussi, faut que je te parle, mais... Ouais. En gros, j'ai fait un test de grossesse et... T'as fait quoi? J'ai fait un test de grossesse hier et... De la soirée là? Oui. Et t'es sérieuse pour de vrai ou pas? Elle a quel âge? Elle a quel âge ta mère? Je vais pas te mentir. J'ai un truc. Hein? Ah, c'est bon. C'est bon. Appelle ton père avant que mon père y prévienne ton père, s'il te plaît. C'est important, faut que tu l'appelles. On est dans la merde là. Frère, t'as 15 ans. Là, faut que j'appelle mon père, frère. Si, parce que je suis mort en fait. C'est des enfants, wesh. Allô, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, avant le confinement, Léo, il avait organisé une soirée. Ouais, tu m'en rappelles. Et j'ai été allé avec ma copine. Tu sais, on est resté dormir là-bas. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et elle est enceinte. Oh. Tu me dis que la petite, elle est enceinte de toi, là? Mais elle est pas petite. Enfin, ça va, en vrai. Mais attends, t'es sérieux, là? Je suis désolé, c'est... Mais c'est pas grave, ça peut s'arranger. Elle est enceinte de toi? Oui, bah, qui tu veux que ce soit l'autre? Ah, t'attends de sortir le chien pour me parler de ça? Je suis désolé, papa. Attends, mais oui, t'es sérieux là? La petite, elle est enceinte de toi? Est-ce que t'es sérieux là? Je suis en train de pousser, t'es en train de me dire ça, Noé? Elle a 16 ans. Tu vas me rendre chèvre, Noé. Tu vas me rendre fou, Noé. T'es où là? Monte à la maison de toi, si on va parler en bas. Non, je suis là, je monte pas là, j'attends que tu te calmes. C'est ma copine, mais tu l'as déjà vue. Elle a quel âge? Elle a 16 ans? Oui, elle est. Papa, tu vas lui dire. Écoute-moi, tu vas venir à la maison de suite, là, Noé. Tu vas me rendre fou. En plus, écoute-moi, monte tout de suite à la maison, on va discuter, là. Je peux pas. Papa, quand tu dis qu'on discute, c'est pas pour discuter. Écoute-moi, tu vas monter à la maison, ce soir, on va discuter, là. Je peux pas monter, là, je peux pas, je peux pas. Tu fous de ma gueule. T'es trop énervé, papa, arrête. J'ai même pas envie de parler. Oui, je vais couper. Tu manges une torgnole que t'as jamais mangé de ta vie. Vas-y, j'arrive. Ça changera rien. Je suis dans la merde, les gars. Oh. Non, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas rentrer et. Je sais pas. Et si je rentre, frère, c'est bon, je suis fini. Comment il allait dire à son père? C'est quoi, j'essaye de le rappeler pour le calmer. Ah, il va jamais se calmer là. Tu sais quoi? On va faire semblant que nous on était potes et tout ça et tout. On va expliquer l'histoire en mode tranquille pour qu'il n'y a pas de problème. Allô, papa? Tu montes à la maison de suite. Tu vas fermer ta gueule et tu montes à la maison, Noé. De suite, je t'ai dit. Je suis avec mes potes. Je suis avec mes potes. Viens. Allô? Moi, allô? Écoute. Tu fermes ta gueule. Tu montes à la maison. Allô? Monsieur? Allô? Monsieur? Écoute ce qu'il a à dire, monsieur. Papa. Écoute ce qu'il a à dire. Écoute. Papa, je t'en supplie, écoute. Je monte direct. Monsieur, vous m'entendez? Ah, je te dis, il va te défoncer. Il va te défoncer, là. Oh, c'est mort. Hey, c'est comme là, le ton de voix qu'il a sorti. Là, c'est mort.
mais il faut juste essayer de le calmer, parce qu'en fait, même s'il te frappe, même s'il fait quoi que ce soit, ça va rien changer si la meuf est enceinte et que t'es pas, t'es pas. Mais je suis désolé, les frères, je peux fumer ou pas sur votre live? Après, tu fumeras. À 15 ans, je le rappelle, parce que tu penses que tu peux arranger ça? Ah, on essaie, mais il nous écoute même pas. Il nous écoute pas, il faut. Je réessaie une dernière fois. Papa, s'il te plaît, juste écoute mon pote. Attends. Bonjour! Mais pourquoi il s'excite comme ça, wesh? Bonjour! Mon fils, il a fait un con avec une petite, je sais pas quoi dire! Écoute-moi bien, Noé. Tu vas monter à la maison maintenant, je vais avoir une conversation face de moi. Je veux que tu sois en face de moi, t'as compris ou pas? Je veux que tu sois en face de moi, t'entends ou pas? Écoute, juste il pas s'exciter comme ça, il va taper une crise. Ton cœur, il va s'arrêter là, c'est pas possible. Mais pourquoi il s'excite comme ça? Bon, Noé, monte. J'ai compris. Noé. J'ai raccroché, frère. Ok. Oui, un joli, un tomato. La vidéo, tu m'as envoyé là. Le gars qui est dedans là, c'est un Africain. Oh, il est maghrébin. Ouais, ça se voit. Ah, d'accord, merci. Non, ça dit. Il peut pas être Africain. Toi, t'as jamais vu un Africain accepter grossesse là. Jamais. Moi, j'ai accepté ça. Oh. Ça dit, moi, on va me nourrir et puis être nourri. Non, c'est pas possible. Bon, on accepte. Hein. T'as appelé ton papa. Tu l'as dit, ouais, voilà, j'ai enceinté une fille. Il te dit, faut rentrer à la maison. Mon ami, rentre. C'est facile. Mais faut rentrer chez toi. C'est ton papa, tu connais plus aujourd'hui. C'est ton papa, non? Faut rentrer chez toi. C'est ta maison. Oh. Non, je te dis, je comprends pas quoi. Sinon, je dis, c'est moi qui ai un peu développé. Hein. Si le papa n'a pas besoin de parler, non, pourquoi il crie, il va attraper une crise avant que le gars ne rentre. Et puis après, tu demandes si tu peux filmer en live. T'as 15 ans et puis tu veux filmer en live. Quand tu finis de regarder Jack Bauer et puis t'es mélangé ta tête, on dirait qu'ils sont en train de jouer au rugby dedans là. Comment tu peux? Je n'ai pas compris. On dit t'es enceinte hein? Et puis toi, ce qui est dans ta tête là, c'est de savoir si tu veux fumer. Mais regardons d'abord la suite. Je suis en train de lui envoyer un message, je sais que ça va tout régler, frère. Je le connais. Et comme ça, au moins, ça sera réglé dans le live et c'est bon. Je le rappelle. Tu lui as dit quoi comme message? Je lui ai parlé. Il a... Allô? Allô, papa? Ouais. Ouais, s'il te plaît, dis un truc. Hey, écoutez-moi bien tout ce qui. Est-ce que les gens, tu m'as dit là, est-ce qu'ils m'entendent? Ils t'entendent. Tout le monde m'entend là? Ouais, 24 000 personnes. Je le savais. Hey, vous êtes des bâtards. Hey, papa, t'es pas mon père, mais dis-le. Moi, les gens, ils veulent nous piéger. Le père de Soukaye. Non, pas. Bâtard. Bien joué. Ah, ça fait plaisir, Boris Becker. Ah, j'espère que vous avez fini de suivre la vidéo. Alors, moi, je n'ai pas compris la vidéo, sincèrement. C'est pour ça que j'ai voulu aussi partager la vidéo avec vous pour qu'on puisse faire ensemble l'analyse. Alors, j'ai deux questions pour vous. Est-ce que, selon vous, c'est Boris Becker qui s'est entendu avec la copine du gars pour pranker et le gars et son papa? Ou bien est-ce que c'est la copine seule, peut-être qui aurait suivi le live, ou bien qui serait en train de suivre le live, qui aurait décidé en réalité de pranker son copain? Alors, ou est-ce que vous avez d'autres, c'est pas d'autres préoccupations, mettez-les en commentaire et dites-moi, t'es africain, ta copine est africaine et tu dis ça, mon frère, est-ce que tu peux appeler ton papa? Mets-le moi en commentaire. Pays des Mathieu, abonne-toi.